Salut à tous, bienvenue sur Coffee Gaming. On continue et j'espère on termine l'aventure de Kingsley's Adventure, un Zelda-like sur PS1 avec un petit runner très mignon. Hop, voilà. Il nous reste quasiment rien, on est quasiment au boss de fin, on avait fait tous les niveaux. Et là, il fallait trouver les fameux chevaliers à combattre pour aller jusqu'à lui. Non, il nous reste quasiment rien. Je commence à me demander si j'en ai pas déjà battu un sans me rendre compte. Là, j'ai qu'il y a un monde où que je retourne parce que j'en ai un contre lequel je suis mort. Et un autre qu'il faut que j'arrive à invoquer avec le bouclier, mais je ne sais plus du tout par où. Carrément Coquillette. Lequel, le Kingsley, Coquillette? Et des bisous, Lunil. Et coucou Mara! En allemand! Non, on mettra pas le jeu en allemand. Oui, tu me l'as mis quand? Parce que c'est un jeu. Il y avait une paire de fois des gens qui m'avaient mis le truc et en fait il y a. J'avais pas plus regardé que ça. J'ai regardé très très vite fait. Et parce qu'il coûtait un bras le jeu, donc je me suis dit ah bah je suis pas prêt de le faire. Et en fait il y a SpeedGT qui m'a envoyé un lien pour le trouver pas trop cher. Donc du coup je me le suis chopé comme ça. Et bienvenue à toi Dark Arcade, bienvenue chez Coffees. Ah oui, tu m'en avais parlé avec Afet aussi. Attendez, faut retourner ici, ça. C'est vrai. Je crois même que j'ai arrêté de demander 10 fois comment on écrivait le nom du jeu. Ok. Mais ouais, c'est un jeu franchement inconnu, quoi. Ce qui est dommage. Mais bon, j'ai réussi à me choper le CD. Malheureusement, j'ai pas la boîte. Le CD pour une quarantaine d'euros. Il y a quelques mois. Attendez, c'était par où déjà? C'était par là-bas. J'espère qu'on va réussir cette fois-ci. En plus là c'est bon, on prend avec 5 vies donc ça devrait aller. Je me rappelle un petit peu des touches parce que mine de rien ça fait un petit moment qu'on n'y a pas joué. Mais justement ce qui est bien c'est que comme on finit plein de jeux, on va pouvoir en... J'ai moins galéré à tourner entre les divers jeux d'une part. Et d'autre part, ça nous permet de recommencer des nouveaux. Parce que là, la grosse liste, parce qu'il y a un moment, on était tombé à plus de 25 jeux que vous me réclamiez, enfin pour lesquels vous avez voté. Un visiteur, et là, on a dû redescendre en dessous des 15 avec ce qu'on a fait et fini il y a pas longtemps. Merci pour le follow, Chloé Caféine. Oh, mais il est génial ce pseudo. Chloé, je ne sais pas qui tu es. Mais je te kiffe déjà. Hop. Par ici. Quelqu'un avec un pseudo pareil ne peut être que formidable. Hop. Faudrait que je vous jette un petit coup d'œil, ça fait quelques jours que j'ai pas regardé la liste des jeux qu'on me propose. Ah, attendez, pour tirer c'est... Yes. Là, je commence à hésiter à revendre des jeux que j'ai 9 sous blister et tout pour m'acheter les quelques jeux qui me manquent et qui manquent vraiment en complet et tout. Genre Suikoden 2. Parce que là, je me dis, j'ai un Dragon Quest 5, 9 sous blister. Si je le revends, je peux me racheter un Suikoden 2 de case avec. Parce que à chaque fois, j'attends en mode, bon, je trouverai la bonne case, mais en vrai, il passera jamais le jeu. Un Suikoden 2 en bon état, complet et tout, c'est minimum 250 balles. C'est terrible. Voilà. C'est terrible. Mais bon, faudrait que je pense à craquer mon slip un jour parce que sinon, faudrait que je craque encore plus fort. Et un slip qui craque, ça fait jamais du mal. Ça fait jamais du bien, pardon. Donc il y a un des méchants chevaliers qu'il faut combattre ici. Oui, là c'est vrai, il y a un petit puzzle un petit peu chiant. Pour choper la clé là. Attendez, c'est à quel bouton? C'est avec moi. Ok. Il nous faut la clé de la pomme carrée. Donc si c'est rond, c'est pomme carrée. Aïe!
Mais c'est ça ou c'est ça le bait? Non, hop. C'est vrai qu'on peut pas faire de vrai saut en arrière. Il faut faire très vite les deux interrupteurs. Ah putain! Non, on peut, non, on peut. Si on saute bien, on peut. Non, on pouvait pas. Si on peut se décaler sur les côtés. Voilà. Voilà, vite, vite. Par ici. Attention, là. On attend qu'elle sorte. Voilà. Il faut vite repousser dans l'autre sens ce truc. Ce bordel quand même. Oh putain! C'est l'abeille de la mort! Vite, demi-tour. On saute bien. Et on chope la pomme. Ah putain. Mais quand je vous dis que c'est l'enfer ici, c'est du timing. Le jeu est très sympa au début en vrai. Tout mignon, sympa et tout, pas trop difficile. Mais la fin elle est franchement difficile. Le dernier donjon qu'on a fait, c'était vraiment l'enfer. Ah ta mère. C'est à peu près comment le faire du coup. En plus avec les pièces, il y a moyen de se regagner une vie vite fait. Ouais, le timing est très 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 serré. Mais autrement, c'est vraiment un jeu à faire pour le coup. C'est limite si j'avais des flèches, je pourrais dégommer les... comment ça s'appelle? Les abeilles au vol, mais... J'ai pas de flèche. Je sais pas où on est là. Mais j'adore me faire déglinguer pendant la cinématique. Hein. C'est ma grande passion. J'ai même pas eu le temps de me retourner pour éviter la bec. Elle m'a terminé d'un coup de dard. Putain, les trucs quand même qui vous tuent en deux coups, quoi. Les guêpes sont des dardagnons. Putain, on manque tellement de défense. C'est dommage si j'ai pas mis des flèches ici pour éclater les guêpes. Ça aurait été tellement plus simple. Je sais pas où choper des flèches rapidement. Je peux peut-être en choper au château, en fait. Le problème c'est que là si on attend trop. Si on attend trop, et bah le timer il nous laisse tomber carrément. Non mais. Ah putain, elle m'a poussé! La dernière fois, j'ai flingué au moins 3 vies ici, je crois. Facile. Le problème, c'est quand il y a un petit peu de temps pour tourner et tout. Faut que tu sois sûr de ton saut et tout. Faut que tu sois sûr de pas te faire déglinguer par les guêpes. Là, je vais me faire déglinguer pendant la cinématique. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Ah non, c'est bon. De justesse, mais on est bon. Attends, on tire encore un petit peu. Voilà, pour être sûr. En fin de mi-tour. Vite. Ah, putain. Oh, cette horreur! Et coucou Lady, quand tu vas? Merci pour ton raid! Quoi de beau? Et tu étais sur quoi? Vous arrivez sur un moment très salé, les enfants. On est à la fin du jeu. On vient de terminer Mario et Lapin Crétin juste avant. Et là, du coup, on est à la fin de King's League Adventure. Ah, c'est bon, ils m'ont un petit peu foutu à paix là, les abeilles. Enfin, les guêpes, je sais plus trop ce que c'est, mais les trucs chiants qui volent. Qui pique. Oui. Et c'est un oui. Et c'est un oui. Maintenant il faut ne pas mourir. Attendez, parce que là si j'arrive à choper encore deux pièces, je crois qu'il y a moyen de choper une vie. Et si j'arrive à prendre deux pièces sans me faire darder. Je sais même pas si ce mot existe, mais je le trouve très joli. Se faire darder. Voilà, et une vie en plus. Bing! Et le boss! Merci. Le miel c'est sucré pourtant. Ah mais là les abeilles elles sont salées. Encore Paul Gaze? Ça continue. T'as dépassé les 100 win alors? Allez. Merde. Ah putain. Ah bah voilà. Merci, bisous! Bonsoir! Oh, on peut même pas esquiver en sautant dessus. Vite, faut pas rester sur place.
Je vois pas comment il a esquivé sa hache. La dernière fois, j'ai trouvé direct. Là, je me souviens plus. Ah, yes, des flèches. On en a ici. Et il n'y avait pas du cœur quelque part. Si. Je sais plus où il est le monsieur. Il n'y a plus de cœur d'autre. Si, par là-bas. Faut faire gaffe parce que si je chose de trop, je vais mourir en fait. Ah, attendez. J'arrête de courir deux secondes. Merde! D'accord. Donc en fait, on peut pas se protéger de ses pouvoirs magiques. Merde. Mais à quoi ça sert des flèches si ça lui fait rien? Pourquoi il y a des flèches si ça lui fait rien? Quelle idée! Il y a encore du cœur là. Je retourne au centre. Mais pourquoi on m'a filé des flèches si elles servent à rien? Le son avec you, c'est moi. Ah. C'est techno. Je sais pas comment réussir à revenir au centre. Vu que les flèches, ça lui fait rien. Ah, c'est pas possible, c'est une erreur. Parce que là, le problème, c'est que si je fais de trop, il y a des dégâts de. Il y a des dégâts de ouf en termes de dégâts de chute. Non, les cœurs, ils repop. Enfin, si la lumière pop, je peux me permettre de me faire du mal en trompant au centre. Bon, on va retourner un petit coup, on va voir s'il y a moyen de faire repopper les cœurs. Et si il repop à l'infini, on s'en fout, on tourne au centre. J'avais 5 ou 6 cœurs, je ne sais plus. Ah, les musiques, elles sont très sympas. En vrai, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelques pistes en plus de temps en temps, parce que quand tu fais le même donjon avec la même musique en boucle d'un bout à l'autre, ça fait un petit peu long quand même, au bout d'un moment. Ouais, ok. On va tenter d'aller bien au centre. Ouah, putain! Ok, donc j'ai fait quasiment rien, mais au moins j'ai fait quelque chose. Ok, donc on fait la technique de lâche du je cours, je prends des cœurs et je viens de taper. C'est peut-être une technique de lâche, mais c'est une technique effilâche. Elle a vu faire rien, je suis même pas à la moitié de sa vie. On aura rien de mieux, je pense. Ah, j'ai pas eu de dégâts ce coup-ci. Faut que je tente avec le bouclier, voir si il arrive toujours à me foutre un coup de hache. Bizarre, j'arrive vraiment pas à l'enchaîner. Normalement, les boss, c'est moyen d'enchaîner un petit peu les coups sur eux. Ça doit être une question de timing. Parce que là, je lui ai quasiment rien fait. La première fois, j'avais beaucoup plus de blessés que ça. Il fallait bien là-bas. La merde. D'accord, ça marche. Et là, j'ai tapé deux fois. Ok, yes. Et du coup, les flèches qu'on récupère ici ne servent absolument à rien, en fait. C'est que des drops. Bien. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, et c'est un GG. Bisous, Gustave. C'était du vrai boulot. Salut Cipher, ça très bien et toi? Et Pipsy! Ouais, donc je pense qu'en fait j'ai déjà dû avoir des chevaliers parce que vous savez, j'avais fait un truc secondaire. En disant ça me débloquait un truc, ça m'a rien débloqué à part sauver un mec. Donc on a déjà sauvé deux chevaliers. Merci Kingsley, tu m'as sauvé de tout ce miel. Je n'en pouvais plus. Pas de problème, maintenant quittons cet endroit. Normalement, le dernier endroit, fallait que j'aille à un endroit avec le bouclier. Non, attendez, il y avait combien de monde? Je crois que c'est le troisième ou le quatrième monde, ça. Parce que on a eu le truc du premier monde avec l'histoire de l'encre, avec les gants magiques. Là, du coup, c'est grâce au pont que l'autre a fait apparaître. Il devait y avoir un monde entre les deux, voire deux mondes entre les deux, où il y a peut-être encore des chevaliers éclatés. Donc du coup, c'est dommage, ce jeu-là, en fait, il n'y a absolument aucun truc secondaire, en vrai. C'est tout ce qu'ils m'ont créé pour que ce soit vraiment bien. Ça va très bien, toi, Lucifer. Et on est bon. Une petite save. Oh,
Ouais, franchement, le jeu est magnifique pour la PS1. T'as des jeux PS2 qui sont plus dégueulasses que ça. Enfin, des vues du jeu début PS2 sont pires que ça. Les Cocoator des races. Et pour le coup, c'est même pas un truc qui est lissé ou quoi que ce soit. Hein. On est sur de la vraie PS1, donc c'est même pas l'émulateur qui lisse les graphismes ou quoi que ce soit. Là, c'est du. Ah, attendez, mais c'est simple de savoir. Si vous regardez, là, y a personne. Ça voudrait dire qu'il y aurait encore deux boss. Parce que l'autre mec que j'ai chopé, que j'ai sauvé, attends, il est par là-bas, non? Ouais, mais j'ai sauvé au premier monde et le premier monde il est là, non? Parce qu'il m'avait dit d'utiliser le bouclier en haut de la colline de je sais plus quoi. On va retourner voir le roi à la limite pour être sûr des infos. Parce que du coup, je sais pas s'il y a encore un ou deux mecs à sauver. C'est vrai que l'accès du premier endroit c'est de l'intérieur du château, donc en fait peut-être que le mec est devant le château parce qu'en fait on l'a sauvé à l'intérieur. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait encore deux gros boss. Je passe ça fin des vies. Triomphe de tous les chevaliers des ténèbres, Kingsley, ils redeviendront des chevaliers véritables. Il ne dit pas combien il y en a ni où ils sont. Mais je te parle pas à toi, je parle à la donzelle. Mais laisse ta femme parler quand même. Bon ben. Le mec il me fait des gros fucks à chaque fois en mode bon. Vas-y, je sais pas comment mais vas-y. Il faut utiliser le bouclier à un certain endroit mais je sais plus où. Il nous a dit pour trouver un truc. En fait, ce jeu il te laisse vraiment à poil. Hein. Là, autant il te guide depuis le début, là pour la fin il te dit pas ce qu'il faut faire. Alors. On part du principe qu'on l'a sauvé dans le château, donc ici. Ok, donc ce qui veut dire qu'il y a bien encore deux mecs, je pense. Voilà. On réenregistre au cas où, on enregistre jamais assez. Question bête, mais tu fais pas ton clic, ça m'arrive de temps en temps, j'en fais pas tant que ça. Il y a pas longtemps, on a commencé Agent A, qui est vraiment très sympa. Bon, qui est du point and click light, hein. Vraiment light. Et on a fait Woodrop, ah, j'ai oublié, LucasArts. Avec les pirates. Donc Island. Après, je t'avoue que c'est des jeux que je fais pas trop parce que c'est difficile à animer en live. C'est pas à la portée de tout le monde, on va dire. Et quand tu fais le jeu et que tu cherches vraiment un truc pendant des heures et qu'il se passe rien, c'est un petit peu relou. Ou quoi qu'il y a. Après, c'est un type de jeu sympa, mais en stream, bah. Moi je me rappelle littéralement, il y a des point and click quand j'étais gosse, des fois je restais bloqué pendant des jours, des mois dessus. Hein. Avec ces bottes magiques, je sais que je peux arriver maintenant. Ah d'accord, et puis le bouclier c'est pour l'autre truc. C'est à ça que ça sert les bottes, je me demandais à quoi ça servait. C'est pour ça que j'en fais pas tant que ça entre guillemets. Coucou Ling Gazelle, comment tu vas? Directement le boss comme ça, bam. Kingsley, le petit apprenti chevalier. Oh, oh. Tu ne me fais pas peur, Judas. Nous avons nous battre et je te vaincrai, comme j'ai vaincu Snuff. Bien, j'espère que tu as apprécié ton combat contre cette mouillette de dragon. Parce que je te garantis qu'avec moi, ce ne sera pas une partie de plaisir. Oh merde. D'accord. J'imagine qu'elle nous pousse dessus. Ok. Elle est où? Je vois pas. La résidence d'affichage à l'époque. T'as pas de musique derrière. Oula. Ouais, faut le bourrer, j'ai l'impression. Enfin, limite, je vais esquiver là. Je vais essayer de le prendre de l'autre côté directement pour voir si ça marche. Ah, on fait aussi quelques petites gemmes comme My Brother Rabbit qui est très sympa. Faudrait que tu testes My Brother Rabbit. C'est du point and click, mais tu sais, objet à trouver. C'est vraiment très cool, très sympa, très posé.
En plus, on a eu la chance d'avoir les devs qui sont passés nous faire un coucou sur ce live là. Merde. Pas me foirer maintenant. Et toute leur collection de jeux est vraiment sympa. J'ai oublié leur petit nom à ce studio là. Mais c'est un studio de l'Est qui fait beaucoup de jeux dans le genre. Merde! Oh putain, j'étais pile poil dedans. Tu l'as? Bah vas-y, carrément. Si à un moment tu veux faire un petit stream light sans trop te prendre la tête, c'est vraiment un jeu totalement abordable ça. Il est très joli, très sympa, très poétique, très simple. Mais Judith. Un petit peu. C'est con, j'ai réussi à bien enchaîner tout à l'heure. Non, sinon je peux me laisser embarquer à chaque fois en fait. Enfin, je peux. Allez, premier tiers. À moitié, ouf, ça va rien fait. Et quand elle fait juste tomber des pierres, ça fait pas de dégâts de... Non, non. Allez, on y est presque, plus qu'un petit dernier tiers. Un gros dernier tiers même. Plus qu'un tiers, c'est bon. Bien, enfin, j'avais pas eu l'ombre mais j'ai eu du cul là. Petite esquive. Ouf. Je t'ai sous-estimé, Gizley. Tu te bavailles, mon. C'en est fini de moi. Plus qu'un boss. Et à vrai, le vrai dernier boss. Aïe aïe aïe, ma tête. Kingsley, tu as dissipé le sort maléfique de mauvaise crème. Bravo. Ce n'est rien du tout. Oublie ça. Non, c'est pas Daedalic qui a fait ça. C'est. Ah, c'est bête. Il y a Yorfen qui connaît le nom parce que. Il n'y a pas mon goût ou un truc comme ça dedans. A chaque fois c'est... Enfin il y a une tête, je sais pas comment il fait. A chaque fois que j'oublie le nom d'un studio ou de quelqu'un ou de quelque chose, il me le rappelle aussitôt. Et je sais qu'il m'a déjà rappelé deux fois le nom de cette boîte. Mais d'ailleurs il y a des poignards, faudrait que je les fasse en live. Faudrait que je les fasse en live. Et ça va nickel Lingazel, merci. J'accroche des mots point and click. Bah en fait les point and click, faut regarder parce qu'il y a plusieurs sous-catégories de point and click. Du coup on a l'impression que c'est tout le temps la même chose mais... Bah, attendez, je regarde un petit peu l'heure parce que si jamais j'arrive à tenir le jeu pas trop tard... Si jamais j'ai une heure qui traîne avant 15h, je vous montrerai un point and click. Enfin c'est un jeu de réflexion typé point and click qui est sympa. Attends, là on l'a déjà fait. C'était là. Sur Switch et PC. Ah mais je les ai aussi tes coquillettes, c'est gentil. Parce que le premier déponnage j'avais. C'était à l'époque où la boîte était pas encore trop connue, je l'avais déjà. J'avais déjà à l'époque. Et après je me suis chopé les autres avec les bundles, puis j'ai dû me prendre le truc pour avoir le quatrième. Mais c'était bien des point and click très mignons, très sympas et tout. En indé t'en avais très bien, il y a Samorost, il y a Shushel qui est drôle. Et what the fuck? Et t'as... merde, surtout t'as Machinarium qui est incroyable. Machinarium, c'est un de mes premiers jeux indés. Il est beau, il est dingue, il est poétique, il est... Et il est pas insane au niveau des énigmes. Et un jour, faudrait absolument, si tu veux en faire un vrai à l'ancienne, mon tout premier jeu PC. C'est Woodruff et le Schnibble d'Asimut. Il est en... On abandonne Wear. Mais là par contre fais gaffe parce que celui-là il est très marrant, très sympa et tout, mais il peut faire très vite mal à la tête. Parce qu'il est loin d'être simple. Donc là normalement, il faut que j'utilise mon bouclier quelque part. Ce
Façon, si on fait le tour, on finit par tomber sur le bon endroit, je pense. Ce serait pas là. Il y a une dalle. C'est bon, une pierre précieuse magique, ça devrait faire l'affaire. Puis bien sûr, t'as tous les chevaliers de Baphomet. Ah putain, il y en a un. Est-ce que t'as déjà émulé de la Wii? Parce que t'as Zack et Wiki. Il n'y avait pas tout à fait un point and click, mais qu'on peut mettre dans la même catégorie. Un jeu de réflexion très bien foutu. En vrai, c'était un des meilleurs jeux de la Wii, mais tout le monde a zappé ce jeu. Je sais pas pourquoi. Et le jeu pour l'époque était. C'est un des jeux sortis en premier dans les. Enfin, il a sorti assez tôt sur la Wii. Et il était magnifique. L'histoire était cool. Le niveau était cool. Et c'est dommage qu'il ait été zappé par tout le monde. Lui aussi, mais c'est cool. Et après t'as tous les Mists, les Reasons, tout ça. Mais c'est un peu chiant tout, je trouve. Monsieur Kingsley, apprenti chevalier véritable. Je viens pour te libérer du sort de la mauvaise crème et te rendre ta Kali. Bah Kali si, je suis pas chauve, espèce de vermisseau, je vais t'apprendre. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Ok, je peux utiliser l'arc, enfin l'arbalète, on dirait. Vous voyez, c'était bizarre qu'on n'ait pas encore un boss avec l'arbalète. Voilà, pas d'être trop méchant. Ah, il y en a un aussi en indé que j'avais fait que les deux premiers épisodes, je crois. Qui est vraiment sympa, c'est Lion Song. Et te connaissant celui-là, il faut vraiment que tu le fasses, il est vraiment clair. Il est très profond celui-là. En vrai, il n'y a rien de très difficile, mais tout est plus tourné autour de l'histoire. En fait, les mécanismes de jeu sont plus tournés pour mettre dans l'histoire. Si t'aimes bien les beaux scénarios, il est vraiment sympa. Après, je termine un peu. Voilà. J'ai pas vu par où il est parti. Il est où? Philippe! Merde, cours! Ah. J'ai pas pris de dégâts. Et là-bas. Je dois se concentrer d'un bout à l'autre. C'est cool de l'avoir entre des déplacements. Non. Il n'y avait pas. Merde! Ouais, s'il est en train de soulever l'œuf, en fait, c'est pas le bon moment. Avec 10 flèches, on devrait pouvoir l'avoir. Là. Bien. Ouais, il est pas méchant celui-là. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas d'autres chevaliers à trouver parce que sinon je sais vraiment pas où les trouver. Petit dernier. Et c'est gagné! Oh non, tu m'as coupé les ailes! Tout ce qui monte redescend forcément! Pas forcément! Perdu! C'est ma bite! Pardon. Kingsley, tu es là! C'était donc un rêve! Je croyais que j'étais complètement chaud! J'ai dissipé le sort maléfique que Moise Crème avait jeté et tout ce qui t'inquiète, ce sont tes cheveux. Oui, ouf, il était temps. J'ai cru que j'allais passer le restant de mes jours comme une chauve-souris. J'y pense, bah justement, c'est celui-là dont je parlais il y a quelques secondes, Mara. Mais non, on n'a pas terminé ce point and click là. Mais si jamais on a un petit peu de temps à la fin du live, on en refait un petit coup si vous voulez. Ça, je vous montrerai que les point and click sont pas forcément des vieux trucs chiantouilles. Parce que, en fait, à chaque fois que les gens qui connaissent pas vraiment le point and click, chaque fois qu'ils y pensent, ils pensent aux vieux trucs d'il y a 25-30 ans, qui étaient mal foutus, qui étaient difficiles, mal indiqués, des fois un petit peu buggés et tout. Alors qu'en vrai, il y a eu une grosse évolution du point and click. Hein.
Il y a eu un renouveau des point and click dans les années 2000-2005 que tout le monde a zappé. Il y a la trilogie, le quadrilogie, je sais plus, des Runaway, il y a Yesterday, il y a The Next Big Thing qui ont été faits par la même boîte, qui ont été excellents aussi. Il y avait Paradise aussi, par le créateur d'Amazon. Il y a eu la trilogie des Siberia, il y a eu plein de trucs. Mais maintenant, il y a même une préquelle à Siberia, je crois. Je me rappelle, il y a Still Alive aussi. Et attends, il y a plein de petits point and click indépendants qui sont vraiment très très sympas. On cuisine en même temps, on ne ramène même pas à manger, Mara. Tu fais quoi à manger? Est-ce qu'on a sauvé tout le monde là? Bravo, Sir Gilsey. Tu as libéré tous les chevaliers. Yes! Rends-toi à l'île au crâne en passant par la renardière sur les terres du château Carotte. Tu dois triompher de mauvaise crème et récupérer mon livre magique. L'île au crâne en passant par la renardière sur les terres du château Carotte. Mais oui, mais tout à fait. Génial, j'y vais. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, Kingsley. C'est malin maintenant, j'ai faim en plus. Et tu fais quoi du coup? Coucou, salut, King. Quoi de neuf? Et meilleur. Attends, je sais plus si j'ai jeté la bonne année ou pas. Je ne sais plus. Vous êtes trop maintenant, je ne sais plus à qui j'ai des trucs ou pas. En tout cas, meilleur vœu si je te ne l'ai pas souhaité. Je ne te l'ai pas souhaité. Je ne te. Oui, un truc dans le genre. Quelque chose comme ça. Et le chaudron. Je me demande si on va encore se taper un donjon à la con ou si on va tomber directement sur le boss. Parce que je me dis, si on a un donjon pire que le dernier donjon, on y est encore à 16h. Oh, merci The Lich King. 14 mois sourire. Et oui déjà. Encore merci pour ton soutien. C'est marrant, il y a tous les resubs qui arrivent en même temps aujourd'hui, c'est trop cool. Merci à toi. Alors. Oula, ça a pas l'air d'être très fun par ici. Hein. On va préparer l'épée tout de suite pour être sûr. Ce serait beau de finir deux jeux aujourd'hui. Comme ça derrière, dans les prochains jours, on termine Layton, on termine Kid Icarus, on termine Castlevania, on termine Sonic Rush, bam! On termine Luigi, si on doit faire le 100%. Mais toi, t'as continué le 100% Luigi, je sais pas trop. En même temps, on l'a tellement bien avancé. Non, c'est moi où je tourne en rond depuis tout à l'heure en fait. Non, c'est. Non, je tourne bien rond en fait. Mais pas que j'ai eu alors! Il doit y avoir un chemin que j'ai loupé, genre ici. Voilà. Genre le premier truc qu'on voit en arrivant, bah c'est un chemin. Je vais finir maintenant et complètement. Hein. Mais là, ça, j'arrive à finir des jeux que je devais finir depuis un petit moment. Je me débrouille pas trop mal. Ça pourrait être pire. Ça a déjà été pire. Ah, Kingsley, comment as-tu fait pour venir jusqu'ici? Peu importe, le royaume des fruits est encore sous mon emprise. Plus pour longtemps, mauvaise crème. Apprécie mon courroux et goûte à ma crème. Mais c'est dégueulasse! C'est qu'un enfant! Non, genre le dernier boss, tu le bats comme ça. C'est censé être le boss final, hein, normalement.
Genre comme ça, tu tombes dessus et puis paf. On va voir s'il n'y a pas des cœurs là-haut. Peut-être avec de la musique. Combien d'étages comme ça en vrai? J'ai déjà flingué la moitié de sa vie, j'aurais peut-être dû continuer à lui taper dessus en bas. C'est juste que j'espérais trouver du cœur moi. Magique, il y a du cœur! Ah bah tiens, il y en a là. Oh, et du coup. Ah oui, putain, faut. Ouais, faut pas se péter avec. Ah putain de ta mère! Ah mais. Mais eux! D'abord! Allez, on perd des cœurs si on descend juste d'un étage aussi. C'est pas bien pratique. Plus de vie à essayer d'en récupérer que à ne pas essayer d'en récupérer. Attends, tourne. Nut. C'est bon. On descend par là. Ok. On tourne le tapis. On peut pas trop le taper maintenant. Avant, on pouvait le taper beaucoup plus. Ah, puis à mon avis, il va monter d'un étage à chaque fois. Ah, il est en bas. Il est en bas. Ah, ta mère! Non, il est en face, ok. Moi, je pense à me protéger du coup. Il est en bas ou il est à haut? Il nous fait des feintes! Il est glissé. Il doit se téléporter tous les 3 mètres. Ah ouais, là il est sûr parce qu'il se téléporte tout le temps, donc du coup j'ai pas le temps de le frapper. Plus qu'un tiers. Monter un coup au cas où. On y va. Plus on va avancer, plus on va monter. Il ne tire pas dessus. Donc là, on est à peu près à la moitié de hauteur. Il y a d'être par là-bas. On continue à tourner. Il y a d'être en face. J'ai réussi à avoir de quoi. En fait, s'il est pas en train d'attaquer, on peut l'avoir de quoi. Il y a encore un petit cœur là. Je vais le récupérer. Par contre, il y en a de l'autre côté si j'ai besoin. Hop. Il y a d'être plus haut, on dirait. On va récupérer le petit cœur, on verra. On montera là. Voilà. Bah. Là, c'est ici. Ouais, la boucle, on entend bien boucler. Hein. La boucle de musique. Là on a en minute de rencontre, on peut l'avoir normalement. Ah ouais, même pas sûr. Coucou Pébulus, quand tu vas? Hop. Allez, plus qu'un coup. Ah mon avis, ouais, on va le balancer dans le chaudron. C'est parti. D'accord, le bouclier ne sert à rien en fait. Vous avez passé le restant de vos jours dans ce cachot, espèce de tordu. En effet, proposer un peu de sacré au gamin, c'est très tordu. Mes pouvoirs magnifiques disparaissent, mais tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Je reviendrai, et le royaume des fruits sera mien, jamais. Pas si je peux vous en empêcher. Allez, un petit visite partage, ce serait top. Même pas. Coucou Nono Rétro, quand tu vas? Putain, même pas une cinématique. D'accord. Allez, ça c'est pour le coup, c'est ultra rétro le coup du. T'as gagné. Voilà. Bisous. C'est dommage pour la fin. Sinon le jeu était très bien, je vous le conseille fortement si vous avez l'occasion de le tester. Kingsley's Adventure. Mais ouais, c'est quasiment rien, j'aurais pu le finir la dernière fois en fait. Et bougez pas parce que du coup on va rejouer encore une petite heure, on a le temps. Je pense pas qu'il se terminerait aussi rapidement. On va refaire un petit peu d'Agent A, un jeu où il faut réfléchir. C'est un jeu sur PS1 de nos rétro. Bon, et si on continue, ça se trouve on aura le temps de finir Agent A, hein.
On n'est pas à deux jeux prêts à finir dans la journée. D'ailleurs, je rappelle, hein, pour ceux qui aiment bien les Zelda X ce soir, on sera sur Skull Boy Refractured. Un jeu indé qui ressort dans une meilleure version là, aujourd'hui même, qui joue un petit peu à la Zelda-like. Avec un petit côté Metroidvania en même temps et tout, il a l'air vraiment sympa. Des séquences FMV? Smoke and Mirrors, comment ça il y a du FMV? À quel moment il y a du FMV? On a raté du FMV? Oh. Mais ça me tue. Il se passe absolument plus rien sur la fin. Il date de 99 si je dis pas de bêtises, Mara. Agent A, non rétro. T'as déjà fini? Eh oui, je suis le Kofi. Ici on n'enfile pas des perles. Des bisous Shigimi, bon courage. Et ça, 99, Psygnosis. Il faisait des très bons jeux. Bon, quelques petites bouses, enfin, des bousouillettes, un peu moins bien que les autres, mais. Très bon jeu. Enfin, très bon studio. Ah, j'avais oublié l'intro. C'est ça qu'ils doivent appeler FMV. Les deux vraies cinématiques de début et de fin, quoi. Et voilà! Eh bien, bougez pas, le temps de tout remettre, et on va continuer sur Agent A.